Bonjour. Pour ce segment, nous verrons la tête du schnauzer, d'un chien épilé. Alors, je crois que je ferai ça par segment. Ce sera plus facile pour les gens de pouvoir voir un segment à la fois. Ce sera moins long, moins compliqué. Alors, on prend la tondeuse avec la lame numéro 10. Part du coin de l'oreille. Comme j'avais expliqué à l'autre vidéo. Alors, on descend jusqu'au coin de l'œil. Comme ça. On va en dessous. Seulement 4 pieds blancs. Alors, on va jusqu'au poil dur. À la petite épine. En dessous. Et l'autre côté. Juste madame. Ah oui, je vous présente Lovely Lady, la fille de ma belle Crazy Love. Alors, voici. La même chose que l'autre côté, par du coin de l'oreille, c'est à ma belle. Du coin de l'oreille, allez, jusqu'au coin de l'œil. On ne va pas trop sur la tête quand c'est un chien épilé, sinon le poil va perdre sa texture de poil dur. Pour un poil doux. On va perdre sa couleur. Et voilà. Ce qui est blanc ici, on fait un petit V. Jusqu'au foncé. Ça, c'est une belle tête. Et à ma poulette. Comme ça. Il faut que la barbe soit vraiment par en avant. Ça prend une finition au ciseau. C'est sûr, les sourcils, ce serait important de les faire aussi. Hein. Voilà. On fait une belle finition aussi. Si vous voyez les côtes ici qui dépassent, on ne laisse pas ça. Ça ne fait pas une belle finition. Alors, on fait une belle finition droite, mais jusque à la couleur ici. Il ne faut pas dépasser ça. Sinon, on va vraiment sur la tête et c'est pas désiré. Et son petit poil noir, il est ici. Alors, voilà. L'autre côté, on fait la même chose. Pour que ça soit un bel ovale. Oui, je sais, bon mignon. C'est ça. Ensuite... Faut pas raser sur la tête parce que c'est épilé. On va faire le petit V. Oui, je sais. On va faire le petit V entre les yeux. Ça, on peut faire au ciseau. Puis, on fait les deux. Au ciseau et on épile aussi un peu. Pour que la texture soit bien. Et la couleur aussi. Parce qu'un chien pilé a une couleur divisée, tandis qu'un chien rasé a une couleur qui est unie. Alors, c'est assez important que le chien garde sa couleur divisée. Ici, ma poulette. Et ma poulette, lady. Alors, pour les sourcils, on va jusqu'ici. Voilà. Moi, j'aime bien travailler avec les ciseaux droits. C'est question de goût personnel. Et voilà. Reste. On fait jusqu'au milieu de l'œil. Attention. Comme ça. Viens ici, bébé. Ouais. Bonne fille. Avec des beaux petits yeux. Ovale. Voici. Ensuite, pour les oreilles, c'est sûr qu'il faut faire ça. Il faut dégager l'oreille. Viens ici, ma poulette. Hey, bébite! Ouais. Hey, ma belle bébite. Ouais. Ma belle lady. Hmm? La lady. La digne fille de Crazy Love. A lovely lady.
Ouais. Les oreilles peuvent être rasées avec la petite tondeuse noire, sans fil. Beaucoup plus facile à manipuler pour les oreilles puis les petites places. On ne rase que le dessous. Ouais. Je vais changer ma lame. Celle-ci me semble un peu. Voilà. On va mettre une belle lame qui va couper un peu mieux. Et voilà. Bon, ben, ça va être une lame manuelle ce matin. Non, je vais le faire avec la tondeuse régulière. Toujours du centre vers l'extérieur. Jamais dans l'autre sens. À part ici, qui est moins dangereux, parce que c'est beaucoup plus large. Alors, les risques de couper l'oreille est moindre. L'autre oreille, qui est à mon bébé. Ça, c'est le ciseau, la tondeuse qu'on fait pour un chien filet. On fait un peu de devant ici, qui est blanc. OK. On va le faire. Dans un autre segment, nous apprendrons comment faire la balance du corps à un chien filet avec la tondeuse. Les places qu'on a. Que l'on doit épiler. C'est pas partout. Alors, voilà. Faire des beaux sourcils. Les droits. Il faut bien dégager le coin des yeux avec le petit V ici. Comme ça, on fait un petit V. Je vais relever ses poils. On fait un petit V. Arrête. Du coin de l'œil. Juste un petit V comme ça, du coin des yeux. Alors, ça dégage bien les yeux. On peut voir leur belle petite face. Tiens. Hop, pareil. Et voilà. Faut que tout soit bien propre. Bien étirer la barbe vers le devant, ce qui est vraiment beau. On fait le tour des oreilles au ciseau. Je vais vous montrer l'épilation sur le dessus de l'oreille, qui doit être fait quand même d'une façon très, très gentille, très douce, parce que l'oreille a une peau quand même assez mince. Il ne faut pas créer d'irritation inutile. Vaut mieux le faire un peu plus souvent. D'une façon moins drastique. Voilà. La petite oreille. Oui. Je vais vous montrer avec Pierre. Moi, je travaille beaucoup avec la pierre. J'aime bien la pierre pour travailler les oreilles. Alors, comme ça. On y va doucement. On frotte. Ce qui veut dire que ça va enlever le poil mort et le sous-poil. Puis là, la belle couleur de poil épilé va arriver. Vous voyez, on voit le fauve qui est dans son sel et poivre, qui est très joli. Ce qui est très joli. Oui. Ma belle petite lovely lady a 9 mois en ce moment.
Alors, elle est très docile, elle a été habituée très, très jeune. Alors, elle. Attention. Bon, ma table qui veut se fermer, ça va pas bien. Voilà, ma chérie. Un petit incident en passant. Ça arrive des fois. Alors, on fait les deux oreilles, gentiment, pas trop longtemps, pour ne pas créer d'irritation. On fait quand même une pression moyenne. Je dirais pas trop forte, mais pas trop douce non plus, parce que sinon, ça enlèvera absolument rien. Tiens, il est à ma poulette. Oui, je sais. On épile la tête aussi. Ça, c'est l'épilation de la tête. Je prends ma pierre, je mets mon pouce entre la pierre et le poil et je glisse. Je n'attire pas d'une façon brutale, mais je glisse le poil. Alors, tout ce qui est mort, trop long, et le poil vient. Viens à mon minou. Viens à mon minou. Comme ça. Voilà. Tout ce qui est foncé, tout ce qui devrait être épilé, on le fait comme ça. Alors, ça va donner une très belle couleur, une très belle texture au poil. Mini. Alors, il faut le faire régulièrement. Je vous dirais une fois par semaine, comme ça, c'est pas trop dur pour la chienne. Elle a été, c'est sûr, un petit peu négligée avec tout ce qui s'est passé pour moi là, ces derniers temps. Alors, son foyer d'accueil est venu, la dame est venue me la porter ce matin, que je puisse la travailler. Je la prépare pour lorsque les compétitions reprendront, j'espère bientôt, parce que c'est ennuyant. Alors, voilà. On va travailler encore un petit peu la tête, on épile, c'est ça. Vous voyez comme je glisse plus que je tire. Parce que si je tirerais, ce serait comme ça. Alors, c'est pas ce que je veux. Je veux glisser, c'est beaucoup plus doux. Je ne touche pas la peau avec la pierre, ce qui créerait de grosses irritations. Alors, c'est beaucoup mieux comme ça. Je sais, mon minou. Alors, voilà pour la tête. C'est ça. Ça, c'est une belle tête de schnauzer. Je sais, ma chérie. Avec un sourcil. Je sais, bébé. Mini. T'es jalouse, hein? Tu veux que être toi aussi tantôt. Et voilà. Ça, c'est une belle tête. À bientôt. Je reviens avec un autre segment bientôt sur l'épilation.